historien à ma porte. Alors, comment ça s'est fini entre Aya et son gars Vladimir Bogdanov ou Vlad? Alors, le gars, il était fiancé avec une fille, une femme de longue date et tout, son amour de jeunesse ou je ne sais quoi, depuis des années. Ils ont eu un enfant ensemble, puis un deuxième enfant. Il décide de la tromper avec Aya. Fallait s'y attendre, parce que c'est lui son producteur. Donc, il passait plus de temps avec Aya que avec sa copine en question, sa fiancée, pardon. Et ce qui s'est passé, il l'a trompé avec Aya. Il a décidé de se mettre avec Aya. La fille apprend ça via les réseaux sociaux. Ça lui a pas plu. Bon, elle a essayé un peu de faire un petit scandale et tout. Comme dans ses habitudes, Aya l'a snobé et lui a mal parlé. Elle en a quand même souffert. Elle a eu mal. Bon, c'est pas grave, elle a laissé tomber, ainsi de suite. Bon, elle a voulu, je crois qu'elle a traité Aya de voleuse de mari, un truc comme ça. Bon, comme d'habitude, hein. Rien de nouveau sous le soleil. On vole pas un mari, c'est pas un objet. Bref. Donc, ils se mettent ensemble, ils s'installent ensemble. Tout va bien, c'est le love, il la frappe, les deux se tapent. On n'est plus ensemble, on est ensemble. Il l'a trompé devant tout le monde, trompa. Et là, elle nous dit qu'elle est célibataire, enfin seule. Donc c'est fini entre les deux. Bon, tout ça, c'était pourquoi? Tu as laissé tomber la mère de tes enfants pour te mettre avec elle, ainsi de suite. Vous n'avez même pas duré. Bon, au moins, il y a une chose de bien, vous avez eu un enfant ensemble. C'est très bien. Comme je le dis toujours, stabilité psychologique, sentimentale avant tout. Parce que ça sert à rien de prouver, oui, je suis mariée, machin. Et si tu n'es pas stable psychologiquement, sentimentalement, ça finit toujours mal. Bon, on attend peut-être dans un mois ou deux, ils vont se remettre ensemble. Hein. Il ne faut jamais se mêler des affaires des gens qui se sont vus nus. Donc, Aya est célibataire. Là, elle va nous sortir des sons de briseuse de cœur comme pas possible. Hey, Aya, j'ai mal.